Effectivement, on a eu un effet un peu de bulle qui s'est créé à partir du second semestre 2013. Donc on a eu des indices CAC notamment qui ont progressé à deux chiffres au T3 et T4, qui s'est enchaîné avec un premier trimestre qui a été extrêmement dynamique avec une croissance du CAC small de plus de 17,5%. A l'inverse, sur les plus grosses valeurs moyennes que constitue le mid-60, la dynamique a été moins forte, mais au final, le rattrapage est surtout... Euh, on va dire le dégonflement de la bulle qui est intervenu à l'été, enfin juste avant l'été, puisqu'en fait on avait un CAC Mid and Small qui avait atteint les plus hauts le 15 juin, euh, a bah, fini par effectivement rappeler tout le monde à l'ordre. C'est-à-dire qu'on a eu le Mid60 qui a progressé de 8% sur l'année, c'est-à-dire les plus grosses valeurs et les plus liquides, alors que le CAC Small, lui, qui constitue plutôt ce qui concerne le PEA-PME, a progressé de 6,8%. Mais au global, ce qu'on peut dire, c'est que les valeurs moyennes ont encore surperformé les grandes valeurs cette année. 7e année sur 10 euh, depuis maintenant 10 ans, que c'est la troisième année consécutive qu'on a eu une surperformance des valeurs moyennes. Et donc c'est vrai que c'est encore, encore, encore une année très positive pour le segment. il y a beaucoup beaucoup d'hétérogénéité dans le dans le segment euh, on a effectivement eu euh, quand même un pic de volatilité qui a été assez marqué sur le segment notamment euh, juste avant l'été avec euh, quand même des baisses de valorisation qui ont été assez importantes ça reste un segment qui est risqué. On a vu par exemple effectivement, les épisodes GoEx hein, qui rappellent à tout le monde que les marchés régulés sont mieux que les marchés non régulés. Et c'est vrai que les, les, cette, cette aventure permet effectivement de se souvenir que l'investissement valeur moyenne reste risqué, même si effectivement c'est un investissement qui est potentiellement extrêmement rémunérateur. Euh, bon, ce qu'on peut dire, c'est que les valorisations ne sont pas spécifiquement basses. Euh, que ce qu'on attendait tous en 2014, c'était la mise en œuvre d'un call macro, c'est-à-dire que la macroéconomie devait prendre le relais sur, euh, on va dire, ce qu'on avait eu comme, euh, comme gommage des inefficiences de valorisation. Euh, voilà, donc en fait, on attend effectivement que les effets positifs, à la fois de la baisse de l'euro, mais également de la baisse euh, du pétrole, se fassent sentir pour redonner une dynamique en termes de résultats. Ce qu'on a pu observer en 2014, c'est qu'il fallait jouer finalement les valeurs qui présentaient les multiples de valorisation en PER les plus élevés. C'était la stratégie qui était la plus rémunératrice. Nous pensons qu'encore cette année, dans une année compliquée du point de vue de la macroéconomie, il faut privilégier les valeurs qui sont qualitativement supérieures. Parmi lesquels on peut citer notamment des ingénicaux, qui, malgré un très très bon parcours en 2014, recèlent encore un potentiel certain, euh, Lisi pour la thématique aéro, euh, Téléperformance pour la thématique dollar, euh, vous avez également des sociétés comme et Écoutier qu'on aime beaucoup, qui restent euh, très sous-valorisées, euh, on peut également ajouter à cette liste du ID Logistique, qui est une valeur qu'on apprécie beaucoup, qui a été la meilleure IPO depuis 2012, avec un prix qui a été multiplié par 4, et puis euh, dans un domaine un peu plus thématique et plutôt retournement pour citer Chargeur.